Est-ce que toi aussi ça t'arrive de parler à un mec et du jour au lendemain de plus avoir de nouvelles? Est-ce que toi aussi tu crushes toujours sur le mauvais mec qui s'en bat les couilles de toi? Cette vidéo est faite pour toi, viens on va discuter ensemble! Pose tes fesses! Bon si tout va bien, cette vidéo c'est la dernière de 2019! J'espère que votre année 2019 s'est bien passée. Là je te vois, t'es là hein! Bien évidemment quand je parle de poterie, d'amour et tout ça, il y a du monde. Dès que je fais des mini docu là, il y a plus personne. Moi je travaille et tout mais non, on s'en fout. Nous ce qu'on veut c'est de la poterie Léa. Petit service, si jamais t'as un peu de temps, n'hésite pas à regarder cette vidéo que j'ai faite, avec amour! Beaucoup d'amour, un peu déçu du coup. N'hésite pas à aller la voir. Aujourd'hui, je suis là pour une vidéo où on va parler d'un truc. C'est, je savais pas trop comment appeler cette vidéo. Parce que c'est pas genre une vidéo 10 astuces pour savoir si ton mec te trompe, 10 astuces pour savoir s'il est amoureux de toi, 10 astuces pour draguer une fille. Oh, ce qu'il ne faut pas faire avec une fille, c'est pas du tout ça. Ça, c'est des vidéos cancer, on en a partout. C'est ce que je faisais il y a 10 ans là sur YouTube. Et en plus, il y en a qui regardent ça. Genre, non, c'est pas ça. Ça va être vraiment un truc que vous voyez pas partout copier-coller là où les gens ils s'emmerdent pas, ils feront un copier-coller pour faire une vidéo. Non, ça va être vraiment une vidéo avec mon expérience personnelle. Genre, c'est plus une vidéo en mode faut fuir là, tu vois, genre si ça commence à être comme ça, puis, je sais pas comment appeler cette vidéo, mais t'as compris, cette vidéo est valable autant pour les filles et les garçons. Moi j'aime pas dire fille ou garçon, donc je préfère dire personnalité A pour une personnalité dite socialement féminine, en mode un peu plus sociable, un peu plus le cœur sur la main, un peu plus fleur bleue, un peu plus en mode oh là là l'amour, etc. Et le côté B, un peu plus genre en mode je m'en bats les couilles, dégage, nanani, nanana. Mais ça veut pas dire que le B c'est forcément un garçon et le A c'est forcément une fille, c'est un peu sociétal, tu vois. Moi il y a des trucs où je suis grave A et des trucs où je suis grave B. Donc je préfère dire personnalité A et B. Du coup, si je dis fille ou garçon, c'est aussi personnalité A et B parce que voilà, t'as compris, bref. Première chose à comprendre en séduction, c'est que quand une personne a un feeling avec toi, quand une personne a un crush sur toi, enfin bref, quand c'est tout beau, tout rose au tout début, là, quand vous avez grave matché et que ça se passe très bien, la personne, en fait, quoi que vous fassiez, hein, y a pas de truc. C'est pour ça que j'aime pas les vidéos 10 astuces pour séduire, nanana, les erreurs à ne pas faire. Parce qu'en vrai, quand y a un best feeling entre deux personnes, tu peux faire ce que tu veux, la personne, elle te suit, tu vois. Genre, ça va être tout bête, mais la personne, elle va dire, ah, je suis timide. Si le mec, il est en crush sur toi, il va dire, ah, c'est mignon. Et le mec, il est pas du tout en crush sur toi, il va dire, oh, j'ai pas envie d'être avec une timide, ça me saoule. Ou par exemple, si t'es passionné par les poneys, tu vois, genre sachant qu'il y a les filles qui sont absolument passionnées par les poneys. Le mec de base il aime pas forcément les poneys et si la meuf elle lui plaît il va dire ah c'est cool et tout la passion pour les poneys, mais s'il est pas passionné il va dire ah non gna gna gna. C'est pareil si vous tuez quelqu'un, vous lui dites tuer quelqu'un, il va dire ah c'est vrai t'inquiète je vais venir t'aider et tout, bah best feeling tu vois, genre si t'as tué quelqu'un il va dire oh non c'est une psychopathe, t'as compris. Quand il y a un crush avec quelqu'un tu peux faire ce que tu veux, ça passe crème. Du moment où il y a des trucs qui sont un peu bloqués, c'est que le feeling il est peut-être pas aussi best que tu le crois, t'as vu. Donc première chose à comprendre c'est ça en fait, c'est genre quand il y a un feeling, quand il y a un truc qui se passe, quand il y a une la personne, bah t'inquiète, ça passe, mais ça passe. Tu peux faire tout ce que tu veux, ça passe, tu vois. La personne en face, elle va jamais te trouver ridicule, elle va te trouver marrante, elle va te trouver fun, elle va te trouver 36 000 qualités qui n'existent même pas chez ta personne, tu vois, mais ça passe quand il y a un best feeling. Donc, ça, c'est vraiment une règle en or. La deuxième règle en or, vraiment en séduction, c'est les messages. Alors, on est dans une ère où il faut envoyer des messages, etc. Moi, la première, je suis comme ça, j'aime bien avoir des nouvelles et tout, mais il y a un truc qu'il faut comprendre. Si la personne ne répond pas à tes messages, c'est qu'elle s'en bat les couilles. Et ça, genre, il y a des gens qui disent non, mais pas forcément. Alors, évidemment, pas forcément, il y a des nuances à avoir. Du coup, quand tu commences à draguer, si la personne tous les jours a dit non mais là je suis en train de bosser, désolé je peux pas répondre, là je peux pas répondre parce que si parce que ça, mais non hein. Si une personne te kiffe, crois-moi qu'elle peut être en train de bosser, de faire quoi que ce soit, elle va t'écrire tout le temps, elle va trouver toujours un moyen de t'écrire. Genre vous le savez en plus, noradrénaline et la dopamine qui font qu'en fait tu peux pas te passer de la personne, donc même quand t'es en train de faire quelque chose, t'attends qu'elle t'écrive et même tu révises plus, tu fais plus rien de tes journées au début d'une relation parce que t'es trop en mode. Cet état léthargique qui est insupportable, tu vois, genre il dure pas heureusement. Au début, t'es censé avoir au taquet le message, etc. Et si la personne est en mode non, désolé, je suis occupée, non, mais là, je suis occupée, naninana, c'est pas le meilleur signe, tu vois. Déjà, tu fonces dans un truc qui a pas l'air foufou de l'autre côté, tu vois. Enfin, toi, t'as peut-être ton best feeling, tu vois, mais peut-être qu'à l'autre côté, c'est pas le best feeling non plus. Et faut accepter que la personne en face, que ce soit une fille ou un garçon, n'est pas autant un crush sur toi que toi, tu vois. Genre, tu l'as peut-être rencontré à une soirée, tu l'as peut-être rencontré sur une appli de rencontre ou autre, et à l'instant T, ça a matché, vous avez discuté, etc., etc. Mais ensuite, vous avez fait vos routes à part, et c'est faux, cette personne tous les jours elle a un autre crush plus important que toi et peut-être que t'es que seconde zone, tu vois. Et peut-être une roue de secours, un pansement, tu sais pas, mais il faut accepter ça. Genre des fois les pansements qui deviennent des grosses relations, tu vois, faut accepter d'être des fois en seconde zone. La personne, bah peut-être qu'après elle donne plus de nouvelles parce que finalement avec son crush, bah ça s'est refait, que en fait son premier crush il est revenu, et peut-être qu'il est pas revenu, mais tu vois, faut accepter qu'à l'instant T il y avait un best feeling et qu'après il y avait plus de best feeling, donc la personne a de moins en moins de prix de tes nouvelles. Et là il y a une erreur par contre, ça c'est une erreur. Quand la personne arrête de te donner des nouvelles ou est un peu distante et tout ça, ou te dit je suis occupée là, je peux pas te répondre, ça ne sert à rien d'envoyer
300 messages. Même d'en envoyer 3, ça ne sert à rien. Genre, la personne est occupée, tu dis ok, tu réponds pas au pire, mais tu peux dire ok, pas de soucis et tout, on se parlera plus tard. Si la personne t'écrit pas, tu lui envoies pas des t'es mort, t'es où, tu fais quoi. Bon, ben je vois que t'as l'air occupée en fait, hein, ou des trucs dans le genre. Même si elle t'a même pas dit qu'elle était occupée, juste si elle ne répond pas, c'est qu'elle n'a pas envie de te répondre. Donc clairement, c'est que même si t'envoies ce genre de message, t'auras l'air ridicule en fait, elle va dire vraiment relou. Tu vas passer juste pour le ou la relou de service. Ensuite, il y a les messages aussi du genre bon, ben alors je vais me coucher moi, bonne nuit, hein. J'espère que voilà, hein. C'est pareil, ça. Poubelle. Si la personne ne t'écrit pas ou ne te parle pas, elle s'en bat les couilles que t'as dormir. Genre si elle s'en battait pas les couilles, elle serait en train de t'écrire. Donc ça, c'est les petits messages de j'ai besoin d'attention, j'ai besoin d'attention, je me fais chier dans ma vie, porte-moi de l'attention. Et la personne en face, elle est en mode moi ça m'est déjà arrivé, des mecs qui m'envoyaient 300 messages. Genre j'étais en mode frérot, déjà calme-toi, on n'a pas élevé les cochons ensemble, je te connais depuis une semaine. On dirait qu'on était mariés, qu'on avait 6 enfants, genre. Genre si je te réponds pas, c'est que j'ai pas envie de te répondre. Et que peut-être que je te répondrai quand je me ferai chier, tu vois. Mais là actuellement je me fais pas chier et dans ma vie il y a tout qui est plus important que te répondre. Mais quand t'es vraiment en best feeling, il y a rien qui est plus important que répondre à la personne. Donc si elle te répond pas, n'insiste pas. Tu verras bien, peut-être qu'elle va revenir, peut-être qu'elle va pas revenir. C'est encore une fois, si t'es en seconde zone et que tu passes en première zone, bref. Ça c'est vraiment une règle d'or dans les messages. Si la personne ne te calcule pas, arrête de forcer. La deuxième chose que je veux mettre en avant, quand vous parlez, quand vous séduisez quelqu'un, ou même en amicalement, même sociétalement parlant, ça c'est un conseil de société, quand il y a quelque chose qui vous vexe, quand il y a quelque chose qui est dit et qui vous vexe, si vous dites ah non mais ça c'est pas vrai, hein, moi ça c'est pas du tout vrai, nanana, ben ça c'est la preuve que tu es vexé. Si tu réagis avec cet entrain, de cette façon, en mode a besoin de te justifier pendant 15 minutes sur une vanne, c'est que t'es vexé. Et du coup en fait, tu t'enfonces encore plus, tu vois, ok, t'es vexé certes, mais le montre pas en fait. Ça c'est vraiment montrer que t'es vexé. Genre il y a plein de façons de pas montrer que t'es vexé, et hyper important de pas le montrer, pas parce que faut passer pour une femme forte, etc. Mais c'est juste que si t'es vraiment complexé et si vraiment ça te saoule quand on parle, si tu réponds avec du second degré ou que tu zappes le truc en mode je m'en bats les couilles, la personne elle reviendra pas dessus parce qu'en fait les gens ils aiment bien te faire marronner, tu vois, ils aiment bien que tu aies et si c'est vraiment un sujet qui te vexe ou quelque chose que t'as envie de prouver à quelqu'un, ben genre c'est pas en faisant ça que tu vas lui prouver, tu vois. Genre je vais donner un exemple tout bête. Par exemple, qu'ils répondent pas à tes messages. Voilà, ça te saoule. Et là, il te dit en rigolant, bah c'est bon, c'est pas grave si je réponds pas aux messages, hein, j'ai une vie, tu vois. Genre, mais t'es un peu en déconnant et tu réponds, non mais je m'en fous, hein, moi tu fais ce que tu veux, hein, y a pas de soucis, hein, moi aussi j'ai une vie, hein, t'inquiète, je suis occupée, hein. Voilà quoi. Non, ça passe pas. Au pire des cas, tu peux répondre, cool, simple, efficace, rapide, ou tu peux dire ou répondre, ah non mais bébé, tu sais très bien, mais vous savez, écrit un peu comme ceci, genre, ah non mais bébé, tu sais très bien que moi, ma vie sans toi, c'est pas possible. Tu vois, genre ça comme réponse. Et ça vient sur le point numéro 3, l'humour. J'ai l'impression que les gens aujourd'hui, ils manquent d'humour. Et j'en parlais avec un ami, hein, jour, et on disait ça, genre, moi, il y a peu de personnes qui me font réellement rire. Alors, les vidéos YouTube, ça me fait... Enfin, en fait, je rigole rarement. Enfin, je rigole beaucoup, mais pas de l'humour, forcément, des gens. Il y a des gens qui me font mourir de rire, mais genre, j'en pleure. Et il y a des gens qui essayent de me faire rire, mais genre, c'est forcé, enfin c'est trop bizarre cette nuance dans l'humour qu'on a. En fait, moi dans la séduction, les gens qui se prennent trop au sérieux, ou même en amitié, en fait ça marche pour tout cette vidéo, mais même en amitié, les gens qui se prennent trop au sérieux en mode ouais non mais moi j'ai fait ça, moi j'ai eu ça, moi j'ai un bac ça, moi j'ai fait ça. Et en fait, genre je trouve pas ça drôle. Tu peux avoir été sur la lune, si t'es pas drôle, bah t'es pas drôle en fait, genre. Sois un peu toi-même en fait, décomplexe. Y'a que comme ça que tu peux, genre l'humour, les vannes, et puis y'a des emojis par exemple, un message qui sont pas mal, tu vois, genre ceux-là, et l'écriture un peu en mode gna 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 gna, genre ça monte du second degré, ça montre un peu d'humour, et moi ça me fait de suite rire. Après c'est un humour très peut-être très nul, tu vois, genre j'ai besoin de rire. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'en séduction on a cruellement d'humour parce qu'en fait on a peur de se lâcher, on a peur de montrer ou d'être ridicule, alors qu'en soi je préfère un mec qui est ridicule et qui fait des vannes nulles que quelqu'un qui est trop sérieux, genre en mode on dirait un entretien d'embauche, frérot. Moi si j'ai envie de faire un entretien d'embauche, je vais faire un entretien d'embauche. En plus de ça je gagnerai de l'argent. Là en couple je gagne pas d'argent, j'en perds. Donc si tu pouvais au moins être drôle, tu vois, genre ça serait la base. Et c'est vrai que faut se lâcher en fait, faut se lâcher, faut être soi-même. Si t'es pas toi-même et que t'es dans une coquille fermée, ben moi je décroche trop vite en fait. Déjà si tu m'envoies 30 messages à la minute, en plus de ça t'es pas drôle. Mais j'ai pas, genre je vois les messages et je suis en mode vas-y mais c'est un relou là, mais c'est genre vraiment le relou. Et la quatrième règle que je vais te donner, ça sera la dernière, c'est ne t'attache pas trop vite. Et ça, genre sois honnête avec toi-même. Genre par exemple si tu parles avec un mec depuis 2 jours, 3 jours et que t'es en mode non je suis pas piqué naninanana et que t'en parles à tous tes potes, c'est que t'es piqué. Arrête de mentir. Genre si du moment où tu parles du mec à tout le monde, c'est que t'es piqué. Et si t'es piqué au bout de 3 jours et que la personne de l'autre côté elle répond pas à tes messages, enfin tu vois, genre si t'es piqué et que la personne ne répond à tes messages et qu'il y a un best feeling, c'est cool. Fais attention parce que le best feeling ça peut rester une semaine comme 2 semaines et après se barrer. Faut pas donner trop en fait au début, faut rester sur un... Genre un voilà, tu vois, genre c'est comme quand t'as envie d'aller aux toilettes, si tu lâches la pression trop vite, tu te fais pipi dessus. Bah genre là, il faut pas trop être à l'aise non plus trop vite, sinon tu te fais pipi dessus, genre c'est le pire exemple du monde. Mais t'as compris, genre... Je peux te donner une anecdote plus sale, mais avec autre chose que le pipi, mais qui arrive par en bas aussi, genre. Et c'est pareil en amour, c'est la merde. C'est la merde si tu lâches trop vite la pression. Donc, reste sur tes qui-vive, même si c'est un best feeling, etc. Fais pas juste genre de rester sur le qui-vive, genre, sois-le, genre, réellement, force-toi à l'être. Parce que, en fait, genre, si t'as un best feeling et tout, encore ça va, mais si le mec il est pas trop répondant et toi, et que toi tu parles de lui à toutes tes potes, t'es dans le caca.
Ne faites pas des plans sur la comète trop vite, n'imaginez pas déjà le nom de vos chiens et de vos deux enfants avec la personne. Allez-y doucement. J'ai l'impression qu'en fait, dans la société dans laquelle on vit, et même peut-être avant, j'en sais rien comment c'était pour nos parents et tout ça, mais en fait, on veut tellement trouver quelqu'un de rapidement qu'en fait, on est prêt à se marier avec le premier venu. Le mec, il vous apporte une chocolatine. Oui, j'ai dit chocolatine. Vous êtes amoureux en mode, ah, il m'a donné une chocolatine, ah là là, je crois que c'est bon là. Après, quand on est au collège et tout, ça me dérange pas, tu vois, genre, ces comportements au collège, etc., c'est normal, on cherche, mais dans la vie d'adulte, c'est vraiment hyper freinant. Moi, il y a quelqu'un qui est comme ça, le mec, il s'emballe trop vite alors que je le connais depuis deux semaines, enfin, c'était rigolo quand j'avais 14-15 ans, maintenant j'en ai 26, ça passe pas, tu vois, on a grandi, on a compris que ça marchait pas et que c'était pas ça, tu vois, genre, quand on teste, ça va, mais quand t'es adulte, c'est pas sain, en fait, c'est pas sain, genre, tu prends ton temps, t'apprends à connaître la personne, tu discutes, s'il y a un bon feeling des deux côtés et que ça se passe bien dès le début, eh ben tant mieux, ça peut construire pour quelque chose de futur, mais s'il y a déjà un petit peu des trucs chelous comme ça au début et que toi, t'es en best love, ben, tu vas sourire à chaque fois, faut pas que le premier mec qui te dit bonjour, ça soit genre de suite les plans sur la comète, les enfants, les trois chiens, et c'est hyper important pour toi parce que tu vas souffrir énormément sinon en amour. Le message que vous renvoyez à quelqu'un en envoyant trop de messages alors qu'il vous répond pas, en essayant d'avoir son attention, etc., c'est qu'il sait que bah, vous êtes une personne qui est en demande affective et vous êtes vraiment genre en mode je suis prêt à accepter tout, tu vois, genre juste pour avoir un petit peu d'attention. Et c'est là où se met en place les relations toxiques en fait. C'est un peu le problème de la dépendance affective, c'est d'être prêt à accepter tout et n'importe quoi juste pour la personne soit là pour vous, vous parle, etc. Et ça crée bah, des relations un peu toxiques parce que la personne après elle peut facilement vous manipuler parce qu'elle sait que au bout de deux semaines vous êtes croque-love, c'est cuit pour la suite. Donc même si vous l'êtes, ne le montrez pas et essayez vraiment de vous préserver de tout ça et prenez votre temps, soufflez et puis voilà quoi. Et ben voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas vous à me dire les petits conseils que vous avez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouverai en 2020. Ciao.